Est-ce que Marie, la reine du cœur du Christ, la plus humble, a tous les pouvoirs? Est-ce qu'elle connaît tout? Est-ce qu'elle peut venir partout pour agir? C'est une question importante à se poser, non seulement parce que le rôle de Marie est, je dirais, l'image du rôle que nous aurons nous-mêmes lorsque Dieu fera de nous les rois et reines de son cœur dans l'autre monde, mais aussi parce que la réponse à cette question est, je dirais, contestée par les protestants qui disent « Voyez, vous faites de Marie une sorte de divinité ». Donc il faut rappeler d'abord que Marie est une personne humaine. Certes, la plus humble, la plus aimante, mais elle n'est qu'une personne humaine. Elle n'est certainement pas Dieu et elle ne devient pas Dieu là où elle est, dans la vision béatifique, dans la royauté que lui donne Jésus, sur tout son pouvoir, sur tout son cœur. Deuxièmement, parce qu'elle s'est faite toute petite, il l'a établie au-dessus de tous. Lui-même, le seul médiateur, l'a établie comme ça et il l'avait promis, « Je ferai de vous un royaume de prêtres ». Évidemment, cette royauté, elle l'exerce, la Vierge Marie, elle-même en se faisant tout petit, donc en déléguant ses pouvoirs à ceux qu'elle établit, roi et reine du cœur de Jésus, elle aussi, à savoir les saints, au fur et à mesure qu'ils arrivent au ciel. Cependant, son rôle est concret. Chaque seconde, des milliers de personnes passent de ce monde à l'autre monde et beaucoup ont prié pour que la Vierge Marie soit là à l'heure de leur mort et les accueille. Elle est là, réellement. Ça veut donc dire que, effectivement, Dieu lui confère le pouvoir d'être dans des milliers de lieux à la fois. La royauté de Marie n'est donc pas simplement une royauté spirituelle et contemplative, c'est une royauté active, efficace, et donc Dieu lui donne les pouvoirs d'agir efficacement comme il le faut. Comment est-ce possible? Eh bien, d'abord, il faut se souvenir que Marie est dans la vision béatifique. Elle voit Dieu face à face et donc, de cette science particulière qui consiste à voir Dieu, elle connaît ce que Dieu veut bien lui montrer pour l'utilité de sa mission. Deuxièmement, en ce qui concerne l'action auprès de ceux envers qui elle agit, eh bien, de la même façon que déjà sur Terre, on le voit dans certains charismes, il peut y avoir bilocation, c'est-à-dire une personne, un saint qui est en deux endroits à la fois. Eh bien, au ciel, il peut y avoir immensité de localisation et d'action. Comment est-ce que ça se fait concrètement? On ne sait pas. On peut imaginer que chaque seconde en temps terrestre est évidemment divisible en une infinité de moments. Un petit peu comme, par exemple, la première seconde après le Big Bang. Les anges ont fait plus de travail de structuration de l'univers que dans toute la durée qui a suivi et qui dure, d'après les sciences actuelles, 14 milliards d'années. Eh bien, de la même façon, Dieu peut conférer à Marie et à ceux qui sont avec lui, d'une manière qu'il connaît, lui qui a fait l'univers, les pouvoirs pour agir en fonction de cette royauté qu'il leur confère. Une petite remarque cependant, Marie, comme nous, tout en voyant Dieu face à face, ne verront pas Dieu comme lui, Dieu se voit lui-même. Nous ne sommes pas une intelligence infinie. Et donc, chaque seconde, il peut y avoir nouvelle découverte sur Dieu, et ceci éternellement.